Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'utiliser le Kamehameha pour détruire un semi-remorque. Alors tout d'abord déjà, il vous faudra trouver un Kamehameha. Donc les Kamehameha, ils se trouvent dans les capsules comme ceci, comme vous le voyez à l'écran. Donc il y en a très souvent qui tombent dans la map de Fortnite, toutes les 2-3 minutes. Donc vous allez devoir juste être attentif et récupérer cette petite capsule pour obtenir un Kamehameha. Donc bien entendu, vous avez une autre solution pour l'obtenir, le Kamehameha, c'est d'aller ici près de la petite maison de Tortue Géniale. Il y a le personnage Bulma qui vous vend des Kamehameha, si vous voulez, contre des lingots d'or. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses. Donc ensuite, quand vous avez ouvert la capsule, vous avez un petit nuage magique plus un Kamehameha. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le petit nuage magique pour pouvoir vous déplacer beaucoup plus vite dans la map. Voilà. Et ensuite, vous allez devoir vous rendre vers un emplacement où il y a des camions semi-remorques. Donc des semi-remorques, c'est tout simplement des gros camions. Donc regardez, des camions, vous allez pouvoir en trouver ici, à la pompe à essence centrale de la map. Ou alors vous allez pouvoir en trouver au Grand Canyon, au circuit Schunker, à Synapse Station. C'est possible que vous en trouviez au-dessus de Logjam là-haut. Enfin voilà, il y en a quand même un peu partout. Et ce que vous allez devoir faire maintenant, quand vous avez votre caméa et que vous êtes devant un camion semi-remorque, ben c'est tout simplement utiliser votre caméa pour détruire le semi-remorque en une seule fois. Donc voilà, regardez, en un seul caméa, vous détruisez le semi-remorque et le camion avec. Donc peut-être que ça peut fonctionner aussi si vous détruisez seulement le semi-remorque. Donc peut-être, vous voyez le semi-remorque qui est juste en face de moi. Donc juste le semi-remorque. Donc même sans le camion, ça peut peut-être fonctionner. Donc si vous vraiment vous galérez à trouver un camion qui est accroché à une remorque, eh ben essayez de détruire la remorque pour voir si ça fonctionne. Parce que peut-être ça peut fonctionner. Donc voilà, dès que vous aurez détruit un semi-remorque, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakuloMec et ciao. Peace. I'm Nick, bruh.